Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue ici au complexe sportif Monte de Azevedo au Portugal, à Guimarães, tout près de Braga au nord de Porto, pour cette rencontre, cette deuxième rencontre de nos bleuettes en quête d'une qualification pour l'Euro 2023 en Belgique de leur catégorie. La catégorie c'est U19 et elles sont plutôt bien parties nos bleuettes. Avec une première victoire face à la Roumanie il y a de cela quelques jours, 6-0. Les Hongroises, elles, s'étaient fait un petit peu malmener par le Portugal, pays hôte. Une défaite 4-0 des Hongroises. On commence par l'hymne hongrois. Les nus sont hongrois pour encourager et célébrer cette sélection hongroise. Et donc maintenant la Marseillaise avec des Françaises très resserrées, très motivées. Allez, le protocole pour ce début de rencontre. Toutes les rencontres internationales subissent le même sort, le protocole avec les hymnes. Et je peux vous dire que les joueuses en sont ravies. On a même vu qu'il y avait des supporters des deux nations dans les tribunes. Alors, on va pas se mentir, hein, le stade n'est pas bondé non plus. Mais on a pu noter, je sais pas si vous avez compté, mais moi je les ai comptés, 5 fois plus de supporters français que de supporters hongrois, 15-3. Au niveau des supporters, on a pu les compter, hein, les uns après les autres. Et donc, pour placer les contextes et les enjeux de cette rencontre, eh bien, il y a un double enjeu, un enjeu un petit peu aux antipodes pour les deux nations. La France va essayer de se qualifier pour cet Euro en Belgique, quand les Hongroises, elles, vont essayer de ne pas être reléguées en Ligue B. U19. Alors, la composition de nos Françaises avec Inès Marquez dans les buts, une défense à 4 avec Lou Bogart, Jade Rastocle, Fiona Liègre et Tiniba Samoura en défense centrale. Ce sera Samoura et Rastocle en défense centrale. Le milieu de terrain va être normalement animé par Baby Jordi Benera en pointe basse, Erin Fontaine et Chloé Neller seront également là pour l'animation.
et enfin devant Shana Chosnot, Luna Ribadera, a priori capitaine, et Coralie Della Celery. Voici l'équipe hongroise avec, bien là je vais pas vous mentir, j'en connais pas énormément des joueurs hongroises. On peut quand même citer la capitaine, la numéro 18, qui évolue en Angleterre. C'est la seule qui évolue à l'étranger, Gloria Sieber, au club d'AFC Wimbledon. Et un coucou à toutes et à tous dans le chat de la FFF TV sur YouTube. N'hésitez pas à, eh bien, à commenter, à poser vos questions. J'aurai un œil toujours sur le chat. Et puis, bien, comme d'habitude, hein, on essaye de rester bienveillant. On est en train de regarder un match de football avec nos bleuettes qui donc vont essayer de se qualifier pour une 17e participation à l'Euro. L'arbitre sera l'Italienne Maria Sole Caputi. Et donc les Françaises qui partiront à l'assaut, on l'espère, hein, de cette qualification. Le match qui risque d'être le match le plus important de cette semaine de qualification. Eh bien, si les Françaises font le boulot aujourd'hui contre les Hongroises, ce sera dans 3 jours face aux Portugaises, si elles aussi font le boulot. Et 7 groupes de qualification, dont également la Belgique fait partie, même s'ils sont pays organisateurs. Et en gros, ils sont qualifiés, elles sont qualifiées, quoi qu'il arrive, pour leur euro à la maison. Mais si jamais elles terminaient première de leur poule, eh bien ce serait le meilleur second. Donc on va encourager les Belges pour essayer d'être première au cas où chez nous il se passe une petite dinguerie et qu'on ne se qualifie pas en tant que premier, pour essayer d'aller prendre un des tickets. Mais je vais pas vous mentir, là non plus ça se sent assez mauvais pour les Belges, qui se sont inclinés face aux Finlandaises 3-0 lors de leur rencontre inaugurale. Et les Finlandaises, qui étaient pourtant menées 2-1 face aux Bulgares, se sont imposées 3-2. Donc en gros, voilà, va falloir terminer première pour les Françaises. Et on va commencer avec Benera, la joueuse du Paris Saint-Germain, qui remplace poste pour poste Kisha Sila, la Dijonnaise. Et si vous aviez vu la première rencontre face à la Roumanie, vous avez forcément été ébloui par le talent de celle qui vient de remettre en retrait ce ballon, la numéro 10, Erine Fontaine, joueuse de Fleury, sous les ordres de Fabrice Abriel. Et vous allez le voir aussi, au niveau de l'équipe de France, ça essaye de très bien jouer au ballon. Sandrine Ringelet, la sélectionneur, a une très très belle génération devant elle. Les 2004 qui sont rejointes par quelques 2005. Dans cette équipe en 2005, sur les 11 alignés, on aura Shana Chosnot, la rémoise, que vous allez découvrir normalement sur l'aile droite. Elle fait une très très belle rentrée face aux Roumaines. Je vous le disais, une victoire 6-0 assez tranquille, 3-0 à la mi-temps, doublé de Fontaine, doublé de Ribadera, la capitaine, l'avant-centre, et puis un but de Shana Chosnot et de Pauline Ogou, la strasbourgeoise. Allez, Benera avec Rastocle Samoura en défense centrale, c'est très solide. Ribadera, on a repassé le ballon pour Chloé Neller. Il y a une forte propension de joueurs parisiennes, alors pas forcément des joueuses du PSG, on a des joueuses de Fleury, des joueuses du PFC. Il y a deux défenseuses, dont cette joueuse Lou Bogert, qui évolue au PFC, qui est entraînée par Sandrine Souberan. Et on a la chance d'avoir quelques joueuses qui ont quelques apparitions en D1 Arkema, la D1 Arkema dont vous pouvez suivre l'évolution sur FFF TV. Attention. Attention, ces entames de match, ne pas se faire cueillir. Et Rastocle qui veillait tranquillement, qui a pu repasser par sa gardienne de but, Inès Marquez, la gardienne de l'Olympique Lyonnais. Mais attention, on a déjà une joueuse qui est par terre.
C'est Kislantos, la numéro 19, a priori qui a pris un méchant tampon. Ana Kislantos, qui évolue normalement sur le front de l'attaque. On va voir le duel. Ah, elle s'est fait mal toute seule. Une cheville qui, a priori, s'est tordue. Pour Kislantos. Et donc, voilà, bah, je vous le disais, pour les joueuses de Sandrine Ringelet, là. Alors, pas l'obligation, hein, mais ce serait une terrible désillusion que de ne pas figurer lors de cette Euro au mois de juillet en Belgique. Et on va dire que ce serait un désastre pour toute la génération des U19, parce que eh bien, les garçons et les filles en U17 se sont qualifiés pour leur Euro. Les garçons se sont qualifiés en U20 pour la Coupe du Monde qui aura lieu, bah, donc là maintenant, on le sait, en Argentine. Et les U21 qui sont qualifiés pour l'Euro. Donc ça ferait un petit peu tâche, le football féminin français qui est en pleine reconstruction. Alors on va le dire, avec le changement de sélectionneur, notamment l'arrivée d'Hervé Renard, ça s'est très très bien passé. Je ne sais pas si vous étiez avec les Bleus hier face à la Colombie, une victoire 5 buts à 2. On s'est un petit peu fait peur avec les Françaises qui étaient menées 2 buts à 0. Mais voilà, je vous le disais, alors pas forcément reconstruction, mais en tout cas en construction et en évolution constante, avec énormément de moyens qui sont mis en place par la Fédération française de foot pour donner la possibilité à un maximum de jeunes filles de découvrir le football, que ce soit dans les districts, dans les ligues. Et on a la chance d'avoir quelques générations qui jouent très très bien au ballon. Bon, et bien là par contre, Kislantos, on ne pourra pas réellement voir si elle joue bien au ballon, parce que je pense qu'elle va être tout de suite remplacée. On voit les médecins là, qui l'emmènent sur le bord du terrain. Et elle aura malheureusement fait 3 minutes. Ici, vous apercevez Coralie Della Sellerie, la joueuse dijonnaise, qui a été alignée sur le front de l'attaque, sur l'aile gauche, en lieu et place de Tara Elimbi Gilbert, la joueuse du Paris Saint-Germain, qui avait fait un très très bon match. Elle est rentrée du numéro 15, Adelina Molnar, un nom qui sonne bon, les grands attaquants hongrois des années 90. Allez, Bogert avec Neller. Bogert, elle a fait deux passes décisives contre les Roumaines. Les deux latérales, hein, Bogert et Helloween. Alors Helloween, elle n'a pas été reconduite là par Ringler. Je pense qu'on essaie de faire tourner aussi un petit peu. Elle a été remplacée par sa coéquipière Fiona Liègre. Mais nos latérales avaient réussi à donner trois passes décisives lors du match face aux Roumaines. Et Rastoc qui va chercher loin de l'autre côté, justement, pour de la Sellerie, qui a bénéficié de la petite trouade de la défenseur droit hongroise. C'est elle qui va faire la remise en jeu, Flora Skut. Il va falloir assez vite. Alors, dans les enjeux, pour pouvoir essayer de se mettre dans les meilleures conditions possibles pour aborder le match face au Portugal, eh bien, il faut gagner, quoi qu'il arrive, pour les Bleuettes. Et en plus, si jamais on peut assurer le goal average, ce serait pas mal. Les règles pour la qualification pour l'Euro U19, bah, ce sera le goal average particulier. Mais si les deux équipes sont à 6 points, France et Portugal, eh bien, et qu'elles font un nul par exemple, eh bien, ce sera le goal average général forcément qui prendra le pas. Et donc pour cela, il faut absolument assurer le goal average. Pour l'instant, on a 2 buts de plus que les Portugaises. Même si, attention, ce n'est pas la meilleure génération des Portugaises qu'on ait connu. Elles se sont notamment inclinées il n'y a pas très très longtemps face au Pays de Galles, que nos Françaises avaient brillamment battu lors du premier tour de qualification.
Allez, on arrive à se sortir du petit périmètre du côté hongrois avec Maier et Mézaros, Cécilia Mézaros. Très très bonne joueuse, a priori, de ce qu'on a un petit peu regardé sur Internet. Cécilia Mézaros. On va la suivre, la numéro 14. Allez, Samoura, elle a une vraie capacité à casser les lignes. De la céleri sur le côté et de la céleri qui ne va pas bénéficier du corner, j'ai l'impression. Non, c'était Lou Bogert qui s'était. Ah ben si, elles vont gagner le corner. Qui avait pris la ligne. Corner qui va être tiré par Chloé Neller, la joueuse du Paris Football Club. On a fait monter les grandes, notamment Samoura. Et on va la jouer à la rémoise. Neller, il faut la mettre dans le but. Enfin, devant en tout cas. Difficile à mettre dedans de là où elle était. Mais en tout cas, dans la boîte, c'était mis. Et voilà, les tours de contrôle en défense vont reprendre leur poste. Et on va repartir sur une nouvelle séquence avec Bogert. On a de la céleri qui appelle le ballon devant elle. Mais c'est finalement Erin Fontaine qui va être trouvée avec son. Sa très très bonne technique et sa conduite de balle. Le ballon est perdu. Erin Fontaine, c'est 17 matchs hein, sur les 18 cette saison de la D1 Arkema avec son club de Fleury. Quatrième hein, de D1. Plutôt pas mal. Et elle a mis deux buts. Hein, Erin Fontaine, elle va forcément être à suivre. Là, très très bon jeu en. Oh, attention, celle-là elle est perdue dans l'axe. Il y avait un très très bon jeu en remise d'Erin Fontaine. Allez, il faut revenir défendre. Léa de la céleri qui va aller harceler son vis-à-vis. Et c'est Lou Bogart qui va mettre la balle en touche. Défend du côté français. Faut rester solide, faut être la première sur cette balle. C'est bien joué, Jade Rastocle. Et la frappe de loin qui n'inquiétera pas Inès Marquez tranquillement. La native d'Athis Mons qui a été préférée à Ferrine Belhadj. La gardienne de but de l'Olympique lyonnais. Inès Marquez, c'est Paris Football Club. Allez, bienvenue sur ce live sur FFF TV. N'hésitez pas, les amis, à faire vos commentaires et à laisser un petit peu vos impressions, poser les questions si jamais vous en avez. Bogart avec Samoura pour Rastocle. On n'a pas encore vu Fiona Liègre là sur le côté droit de la défense. La voici qui va venir au pressing, mais le ballon qui est récupéré par. Shanna Chosnott, elle aussi, c'est un très très gros prospect. Shanna, elle a fait 8 matchs cette année avec le Stade de Reims en première division française. Et le Stade de Reims qui est dans le ventre mou. Il reste 4 journées. Pour l'instant, c'est l'OL qui est en tête. Et attention, parce qu'il me semble que le 20 mai, il y a un gros Paris Saint-Germain-Lyon, sachant qu'il y a un point d'écart entre les deux formations. Ça pourrait s'apparenter, je crois que c'est la 21e journée, ça pourrait s'apparenter à une finale de championnat de France. Ouais, le dégagement qui est long de Pongratz. Et la voici, Fiona Liègre, la joueuse des Girondins de Bordeaux, pardon, qui a remplacé sa collègue Marion Elevine sur le flanc droit de la défense. Et Benera avec Neller. Sur le côté pour De La Celerie. De La Celerie est capable de faire la différence assez facilement. Elle leur donne le ballon à Erin Fontaine. Dès qu'on va réussir à trouver Fontaine ou Ribadera à 25 mètres du but, on pourra être dangereuse. C'est Bogart qui va effectuer la remise en jeu. Avec justement Fontaine
Ballon est conservé par les Françaises. Il y a peut-être une position de hors-jeu. Elle ne s'était pas replacée, Erin Fontaine. Elle voulait peut-être pas forcément recevoir le ballon. Et on va pouvoir se dégager avec Souch. On voit que les Hongroises, alors elles essayent de tenir le ballon quand elles le peuvent. Mais par contre, dès qu'elles ont un coup de pied arrêté, on allonge. Le ballon qui est récupéré par Baby Jordi Benera. La joueuse du Paris Saint-Germain. Qui a été alignée une fois cette année en Coupe de France. Bah, d'ailleurs, la Coupe de France qui opposera les Parisiennes aux Lyonnaises pour un remake. Un des nombreux remakes. Le ballon va être récupéré par les Bleuettes et Lou Bogert. Elle aussi quelques apparitions avec l'équipe première. Oh, elle a tenté de passer Ribadera. Ballon qui va revenir sur Shana Chosnott. Elle est capable de faire la différence. Elle va rester, non, elle va pas rester debout justement, mais derrière elle va aller faire un gros pressing et récupérer cette balle. Ça sera une touche pour les Bleus. Et c'est Fiona Liègre qui va aller l'effectuer. Elle va attendre des solutions. Elle a cherché Chosnott là-bas, dans le coin, un petit peu enfermé par deux joueuses. Et on voit que Jade Rastock, là, voilà, est venue demander le ballon. Petit dépassement de fonction pour l'une des deux défenseurs centrales de cette équipe. Benera, fallait aller vite dans la transmission, elle l'a fait avec Samoura. Ouais, elle aussi, hein, Samoura, ça monte d'un cran. On a laissé Bogert en défense. Et sans être trop inquiété, on voit Inès Marquez qui a peut-être la consigne, et c'est peut-être son jeu aussi, hein, de jouer très très haut comme un troisième défenseur central pour éviter un peu le jeu long de ses adversaires. Ouais, Ribadera qui est prise par Kovac. Ballon qui va revenir à Bogert. Bogert qui a tenté de mettre dans la profondeur Erin Fontaine en orbite. Et pour l'instant, ça défend bien côté hongrois avec Savania et un improbable numéro 9 pour jouer en défense centrale. Un quart d'heure de jeu. Pour l'instant, les Françaises n'ont pas encore frappé. C'est elles qui tiennent le ballon, mais pour l'instant, sans être très, très, très dangereuse. Allez, Bogart, on a de la Sellery qui bouge beaucoup là pour essayer de créer un peu d'incertitude dans la défense hongroise. Allez, on a trouvé Ribadera. Ouais, qui croyait tranquillement laisser sortir la balle en corner. Trois matchs cette année en D1 Arkema pour celle qui est l'une des leaders du vestiaire de cette génération des 2004. Natif de Villeneuve-Saint-Georges, Luna Ribadera. On essaiera aussi un petit peu, hein, pendant ce live, de mettre en lumière, eh bien, pas uniquement les grands clubs. Il y a plein de petits clubs qui forment ces joueuses. On va parler par exemple de Sarcelles pour Jade Rastock, la numéro 5, là, qui vient de transmettre à Samoura, qui elle a été formée par le FC Thiers. Là aussi, hein, chez les filles, ça n'y manque pas. La région parisienne largement représentée. Et Shana Chosnott. Ouais, bien joué. Elle va éviter la sortie. Shana Chosnott, le centre en retrait. Malheureusement, intercepté par une Hongroise. Et la belle sortie de Samoura. Ouais, elle va donner un très très beau ballon pour Chosnott. Ouais, qui va se faire complètement enlevé là dans la surface de réparation. Mais quelle ouverture de Samoura. L'appel de balle de Chosnott était très bon et on va donc obtenir un premier pénalty pour l'équipe de France. Ça devrait être Luna Ribadera qui devrait le frapper, à moins qu'on ait décidé de changer, mais elle avait marqué le dernier pénalty pour les Bleuettes, donc il y a de grandes chances que ce soit elle qui se présente, voilà, face à Pongratch. Et l'occasion pour les Françaises de prendre la tête.
Elle qui a été formée au Benfica de hier et qui a rejoint le PFC il y a de cela 5 ans. Quand elle avait 13-14 ans. Allez, Ribadera. Concentration extrême pour la Française face à Pongratch. Et tranquillement, le contre-pied de la joueuse du Paris Football Club et l'ouverture du score pour les Bleuettes. Ça nous fait donc 3 buts en 2 matchs pour Luna Ribadera. Et elle est en train de dire à ses copines qu'il va falloir continuer, ne surtout pas s'arrêter. Elles doivent absolument faire le plein de buts dans cette rencontre. Et le superbe premier mouvement des Françaises, là, ponctué par un but. Intéressant de voir aussi comment nos deux défenseurs centrales, Rastocle et Samoura, ont des envies là de monter et d'essayer d'aller apporter le surnombre. On voit qu'elles sont de bonnes joueuses de ballon aussi, qui seront capables de délivrer de très très bonnes passes. La passe quasi décisive de Samoura pour Chesnut était limpide. Et allez, les Françaises, il va falloir continuer sur ce rythme, privé les Hongroises de ballon. Et là, cette faute de Jade Rastocle qui va être signalée par l'arbitre italienne, qui lui dit « Je ne t'avertis pas là tout de suite, mais normalement, sur la prochaine, ce sera le carton. » Ouais, il y avait faute sur Cyber, la capitaine. Et c'est Savagna qui va, avec son bandeau et son numéro 9, qui va aller taper ce coup franc. Comme on le disait tout à l'heure, justement, elles ont feinté la balle longue pour finalement jouer avec Kovacs à terre. Et c'est pas mal ce qu'elles font, là, les Hongroises. Avec la frappe contrée de Sipoch, contrée par Rastocle. Et je pensais que ça allait être le premier corner pour les Hongroises. Eh bien non, le ballon a priori a été retouché. Et c'est Inès. Allez, joue vite. On entend Sandrine Ringler qui demande à sa gardienne de but. Allez, on est encore première hein, sur ce ballon avec Samoura. Elle a une aisance technique couplée à un physique déjà très mature pour son âge. Tiniba Samoura. Née à Paris, qui joue au PFC, qui a été formée par le FC. Elle n'a pas énormément eu à bouger hein, pour sa formation footballistique. Le ballon pour Fiona Liègre, pour encore une fois Erin Fontaine et son pied gauche. Le ballon de Fontaine, oh dommage, c'était pour Ribadera. Et le ballon qui avait réussi presque à toucher sa cible. C'est tranquillement dans les mains d'Agnès Pongratch. Mais on voit qu'elle est très, très intéressante et très virevoltante, hein, Erin Fontaine. Elle n'hésite pas à aller se balader un peu sur tout le front de l'attaque de l'équipe de France. Et c'est vraiment du tout bon pour Sandrine Rigler et les Bleuettes, parce que ça offre beaucoup, beaucoup de solutions. Et on voit que Shana Chesnut, notamment, est une joueuse qui, elle aussi, aime bien avaler les espaces. Et alors, c'est encore mieux quand on arrive à créer de l'incertitude dans la défense adverse. Et Benera qui cherche à trouver en gelon. On avait tenté d'aller alerter Ribadera. Et c'est très belle amortie poitrine pour Luna Ribadera. Et derrière, elle arrive à transmettre le ballon qui n'arrivera pas jusqu'à Chloé Netter. Il a été perdu par les Bleuettes. Oui, ça joue très bien, notamment cette joueuse, la numéro 5, Mayer, pour Chipotch sur le côté. Tenter de déborder Samoura.
Et voilà, il est là, le premier corner pour les Hongroises qui sortent légèrement la tête de l'eau. Très bonne défense de Tini Basamura. Et c'est la nouvelle entrante, Molnar, qui va taper ce corner, a priori rentrant. Elle aussi jouée en deux temps. Et le centre de Mayer, bien repoussé par la défense. Première alerte pour Inès Marquez. Attention hein, à ne pas se déconcentrer juste après avoir fait ce qui ressemble un petit peu au contrat initial, marqué tôt. Benera qui n'a pas fait faute selon l'arbitre et les Françaises qui peuvent repartir. Ouh, on avait tenté d'alerter De La Sellerie. Ballon qui va être récupéré par les Bleuettes. Justement, De La Sellerie avec Luna Ribadera sur le côté. Elle aussi, elle avait un petit peu dézonné. L'autre rencontre du groupe Portugal-Roumanie aura lieu à 18h. Alors par contre, je pense qu'il faudra vous lever tôt un petit peu là si vous voulez trouver des images de ce match. Je vous encourage à aller à rester sur FFF TV parce qu'il y a un très très gros programme. Il y aura notamment un énorme France-Japon à 19h30. J'aurai la chance d'être au commentaire de ce match, demi-finale du mondial des clubs, du mondial des nations du tournoi de Montaigu. Donc pour les U16. Allez, superbe intervention de Fiona Liègre qui va rentrer dans la surface de réparation, qui va tenter de centrer, et le ballon qui a été contesté par la défense hongroise et Somogyi. On boite un tout petit peu chez Fiona Liègre, mais ça a l'air d'aller. Alors, Erin Fontaine, au corner rentrant, oui, c'est bien cela. Joueuse de Fleury qui est passée par le PFC, hein, Erin. Le corner est très très bien tiré, il y a cafouillage là dans la surface de réparation. Tentative de frappe de Coralie De La Sellerie. Pied droit qui s'est un petit peu envolé dans les nuages, dans le ciel de Guimarães. Ouais, c'était Chloé Netter qui avait tenté en deux fois là, de reprendre ce corner d'Erin Fontaine. Oh, attention à ne pas se faire passer si facilement par Molnar, là, Fiona Liègre. Derrière, elle est coupable d'une faute. Attention, hein, ça bouge beaucoup chez la numéro 15. Voilà, le petit changement de direction. Mais Mayer pour Molnar. Molnar qui va chercher à centrer avec son pied gauche. Ça passe devant tout le monde et c'est repris par Sibotch. Et un petit peu miraculeusement, Inès Marquez qui voit le ballon lui atterrir dans les bras. Ah, le centre était bon, hein. On aurait pu le prendre de la tête au premier. Il a finalement réussi à toucher un pied hongrois. Allez, Benera avec Samoura, Erastocle. Il a fait 5 matchs cette année avec le stade de Reims, Jade Erastocle. Oh, attention, il y a un 3 contre 3, là, il faut revenir, là, les Françaises, mais voilà, on fait grande confiance à Lou Bogert, ouais, qui est tiré par le maillot une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Par la numéro 17, Laszlo, Henrietta Laszlo, qui va prendre une petite remontrance de l'arbitre italienne. Ouais, c'est cool d'avoir une gardienne de but là, qui sort de son rôle pour pouvoir jouer un petit peu au pied. Ça rajoute numériquement une joueuse hein, dans la construction. C'est très intéressant. Alors, pour l'instant, les Hongroises ne font pas un pressing de tous les diables, mais ça pourrait avoir son importance contre de meilleures nations qui pourraient essayer de contrarier les plans de relance des Françaises. Et ça permet aussi à la défense de pouvoir jouer assez haut
parce qu'elles savent derrière que il y a toute la zone, pour appeler un petit peu le backfield, qui est gérée par leur gardienne. Erin Fontaine pour Samoura qui est restée haute avec Liègre, le petit exter pour Shana Chosnot, mais le ballon qui est sorti. Elle n'a pas réussi, Shana, à le maîtriser. Et j'ai cru entendre Fiona Liègre qui s'excusait auprès de Shana Chosnot et ne pas lui avoir donné le ballon là où elle, là où elle l'attendait. C'est Somogyi qui va faire cette touche. Et le ballon récupéré par les Françaises. Hein, on a tenté de trouver encore une fois Ribadeira. On s'était infiltré chez Fiona Liègre, là. Vous le voyez, la numéro 12, pour donner ce ballon. Et encore une bonne sortie de Pongratch. Le ballon qui va filer. Attention, Jade Rastocle, là. Elle doit défendre son précieux. Ouais, c'est très bien fait. Maintenant, il faut assurer la relance. Il y a Molnar qui est sur Liègre. Et la balle va être hongroise. Et Somogyi qui va tenter de la mettre dans la boîte peut-être. Non, elle va perdre le ballon là dans cette zone. Et le contre pour les Françaises avec Erin Fontaine. Il faut aller vite avec Chloé Neller. Elle a vu sur le côté le déboulé de Coralie de la Sellerie. Erin Fontaine qui appelle la balle dans la profondeur et qui va se retrouver en duel face à Kovac. Et attention, c'est costaud, Kovac. Du mal à la bouger. Ouais, Bogert. Voilà, on va recalmer un petit peu tout ça, repasser par Chloé Neller. Et il y a une joueuse qui est restée à terre du côté de l'équipe de France, j'ai l'impression. Est-ce que ce serait pas... Ouais, c'est Shana, je crois, qui a pris un coup derrière le niveau du mollet. La joueuse du Stade de Reims, qui a la particularité de bien cartonner cette année un petit peu dans toutes ses catégories. Chez les garçons, chez les filles, chez les jeunes. Alors, si jamais on ne pouvait pas continuer chez Shana, eh bien, ce serait probablement Pauline Ogou qui ferait sa rentrée. On a également sur le banc Tara Elimbi Gilbert, la parisienne, ou encore Lucie Calba. Pour l'instant, il n'y a personne qui a l'air de partir s'échauffer. Inès Marquez, la gardienne de but du PFC, qui pour le moment fait un bon match. Bon, elle n'a pas eu grand-chose à faire, mais tout ce qu'elle a fait, elle l'a bien fait. Et allez, bonne nouvelle, Shana Chosnot qui va reprendre sa place sur le terrain. On a aperçu Hélène Ferchaud-Bertrand, la kiné de l'équipe. Et ce sera une balle à terre avec Chloé Neller. Allez, on va pouvoir repartir. On espère qu'il y ait... Pas trop de casse pour Shana Chosnot. On sait que quand les muscles sont encore chauds, on peut continuer. Et dans un petit quart d'heure, il y aura la mi-temps. On va suivre tout ça attentivement. Ouais, Samoura avec Ribadeira en 1-2, c'est bien joué. Le ballon qui va revenir sur Luna Ribadeira, la buteuse. Qui va alerter Coralie de la Sellerie. Le centre de la Sellerie et la belle sortie de Pongratch, comme elle peut. Allez, mauvaise interprétation de la trajectoire chez Chosnot. Le ballon qui va repartir avec les Hongroises et Cyber, la joueuse de Wimbledon. Ouais, qui va tomber sur un roc. Sur Jade Rastocle. Qui va complètement l'écarter de la course au ballon. Ouais, on sent que les organismes là
après avoir joué il y a 3 jours face aux Roumaines. Les organismes sont un petit peu touchés. On n'a pas fait énormément, énormément de changements chez Sandrine Ringler depuis le match face à la Roumanie. En gros, il y a eu 3 changements. Les entrées de Benera, de la Sellerie et de Chosnot. Un quatrième avec Fiona Liègre aussi. Et le ballon qui va être récupéré par les Hongroises avec... non, cette fois-ci, c'est Fiona Liègre qui se remet tout de suite face au but dans le sens du jeu pour finalement repartir tranquillement avec Rastocle, Benera, Baby Jordi Benera pour Bogert avec de la céleri dans un mouchoir de poche. On a redonné le ballon à Luna Ribadera. Erin Fontaine. Vrai que ça bouge beaucoup. Côté français, attention à ce ballon perdu par de la Sellerie. Et le ballon qui est récupéré tout de suite par Samoura avec Rastocle. On va pouvoir repartir peut-être avec Liègre sur le côté, avec peut-être Chosnot, ou alors très souvent avec nos milieux de terrain axial. Voilà, comme Chloé Neller, la joueuse du PFC, qui va tenter de renverser sur Chosnot. Attention, cette pelouse est relativement haute, donc le ballon est un petit peu freiné. Elle avait le temps d'y aller, Chosnot. Elle a bien récupéré ce ballon et. Corner pour les Bleuettes, 35e minute de jeu. Les Françaises qui ont décidé depuis une bonne vingtaine de minutes de confisquer le ballon aux Hongroises. Mais il faudrait réussir à doubler la marque pour être un petit peu plus tranquille. Allez, Erin Fontaine, elle avait très bien frappé le premier. Celui-là est aussi très très bien botté. Et c'est quasiment sur sa ligne qu'on va réussir à se sauver côté hongrois. Et on a pris un petit coup chez la numéro 3, Stutch. Ouais, c'est magnifique ce qu'elle nous a fait. C'est 6 poches. D'habitude, elle est assez décisive dans l'autre surface de réparation. Elle, l'avant-centre hongroise. Et là, ça va nous... relancer le débat sur les joueurs au poteau. En tout cas, sur ce coup-là, ça a servi, mais des très très bons coups de pied arrêtés, là, tapés par Erin Fontaine. Allez, Bogert. Voilà, il n'y a pas de pressing, on est dans sa moitié de terrain côté hongrois, donc côté bleuette, on travaille, on bosse, on taffe. Il faut multiplier les appels, voilà, des joueuses qui cassent un petit peu les lignes. On le voit avec Chloé Neller qui appelait le ballon là, entre les lignes, avec Baby Jordi Benera. On a aussi la possibilité avec Rastocle et Samoura de faire grimper des défenseurs centrales pour créer encore un peu le surnom. Mais là, c'est superbe, ce 1-2, ce dédoublement de Lou Bogert, là, dans le... Alors, c'était pas dans le dos de la Sellerie, c'était un petit peu dans le trafic de la Sellerie. Elle avait vraiment pris le côté, mais elle avait réussi à retrouver la joueuse du PFC. Allez, faut être franche dans ses passes. Donc, il va être récupéré par Benera, tranquillement, avec Liègre, là, qui va lui apporter un petit peu de soutien. Chosnot, en une touche, c'est superbe. C'était dur à réaliser, mais c'était remarquablement bien fait. Il a manqué. Alors, il y a de la vitesse hein, chez Liègre, mais il a manqué encore un petit peu plus de punch au démarrage pour la Bordelaise. Excellente joueuse hein, sur son côté droit. Elle sent bien le jeu. Regardez là, l'appel, le très bon appel. Erin Fontaine qui a décidé de s'en servir de cet appel et de ne pas la servir. Ah, et derrière, elle va mal réaliser son ouverture pour de la Sellerie. Mais Fiona Liègre, là, sur son côté droit. Et on a l'impression que c'est un petit peu la patte de Sandrine Ringler d'avoir des latérales là, comme ça qui sont très fortes. Attention à Neller. Neller face. Oh, dommage. Elle avait réussi à reprendre le ballon, à effacer son vis-à-vis et frapper Chloé Neller. On avait Savagnia qui était un petit peu dans le bouillon là, obligé de défendre de dos, c'est pas simple. Mais derrière, elle s'est bien reprise. Et finalement, la balle qui passe pas si loin du but de Pongratch. Très très bonne joueuse de ballon,
Chloé Neller, Langevin, qui est passé par Juvisy notamment, qui a été formé au FC Loin. Allez, bon pressing de Chosnot sur Somogui. On va récupérer le ballon. C'est Liègre qui va effectuer la remise en jeu avec Benera qui remet tout de suite cette balle au sol. C'est bien fait en deux touches. Benera encore avec Neller qui va pouvoir conserver cette balle et passer par Rastocle. Samoura. Ouais, on a trouvé là-bas dans la petite zone dans le dos de l'axe droit et de la latérale droit. Alors normalement c'est Skouch, mais là c'était Kovac qui était venu aider. Le centre de Bogert, Pongratch à la tombée. Heureuse de se saisir de ce ballon. Et pour l'instant les Hongroises qui sont encore dans le coup, et elles aussi, hein, elles jouent elles joueraient probablement une finale pour ne pas descendre face aux Roumaines lors de la dernière journée de groupe. L'enjeu pour les Hongroises, c'est d'essayer de ne pas terminer dernière de ce groupe. Maintenant, je pense que ça va être un petit peu compliqué pour se qualifier pour l'Euro. Mais en tout cas, ne pas être dernière, parce que dernière, ça voudrait dire une relégation en Ligue B de la catégorie U19. Faut un petit peu comme les seniors garçons avec une Ligue A, une Ligue B qui pourrait ressembler un petit peu à l'équivalent de la Coupe des Nations. Et ça permet aux équipes, quand il y a vraiment de gros niveaux d'écart, notamment pour les Françaises, les Espagnoles par exemple, les Néerlandaises, les Anglaises, de ne pas affronter des équipes trop faibles. Ce qui serait pour le coup assez peu intéressant et pour les uns et pour les autres. Et par contre, la Hongrie qui va vraiment pour le coup tout faire pour essayer de rester dans ce groupe A. Là, il y a des résultats qui sont tombés. Bah, les Espagnols, justement, qui sont en train de mener tranquillement 5-0 face à la Slovénie. Oh, attention, il y a un 2 contre 1. Ouais, et Sieber qui redemandait le ballon derrière, le ballon qui n'est pas arrivé. Il y avait un vrai coup à jouer pour les Hongroises. Et derrière, ça va repartir avec les Françaises, avec Ribadera devant tout le monde. Ribadera, elle va se remettre sur son pied droit. Elle attend du soutien. Il va y avoir l'arrivée de Neller qui voulait mettre un énorme cachou. Et finalement, c'est ouais, magnifique. De la Sellery qui a ce crochet externe qui est passé. La frappe d'Erin sur la barre. Erin Fontaine qui trouve le bois. Mais voilà, ça peut aller très vite côté française. On va revoir le centre de Ribadera. Derrière, bonne protection de ballon justement de Ribadera sur le centre en retraite de la Sellery. Et Jbing sur la barre. Allez, Pongratch, attention, elle a un bon dégagement. Elle tape assez loin. Récemment, on avait eu le... Ouais, belle... Beau pressing d'Erin Fontaine qui va se remettre sur son pied gauche. Elle est capable tranquillement de passer si elle le souhaite. Elle avait cherché la remise dans la surface pour Benera. Et Rastocle avec Bogart. Bogart, et voilà, cette activité-là, elle offre multitude de solutions là, avec son appel. Le ballon qui ne va pas sortir. Et si. Elle a tenté Ribadera et derrière, bon, elle nous a gratifié d'un très joli geste technique, là, la petite soutane sur Souch. Mais a priori, le ballon était sorti de l'aire de jeu. On va pouvoir se dégager chez Pongratz. Ouais, j'étais en train de regarder un petit peu les résultats. L'Autriche qui est en train d'étrier la Grèce. 3-0. Les Italiennes face aux Bosniennes. Pour l'instant, ça fait 0-0. Et les Allemandes qui ont... a priori, hein, ça va se qualifier tranquillement pour l'Allemagne. Pays qui détient le record de victoire à l'Euro des U19 féminines. Elles ont mis un 10-0 aux Croates. Croates, hein, c'est pas un petit pays de football.
Les Polonaises ont mis 6 buts à 1 aux Tchèques. Et les Finlandaises, donc je vous le disais, qui étaient menées hein, deux fois par la Bulgarie. Et qui a réussi à s'imposer 3 buts à 2. Alors on espère que nos Françaises feront le taf. Toute ça, attention, il n'y a pas de position de hors-jeu pour Erin Fontaine qui va réussir à... Ah, j'y ai cru à devancer la sortie de Pongratch. Elle avait placé un petit piqué. A priori, elle n'était pas en position de hors-jeu parce qu'il y avait la latérale gauche, je crois, Somogyi qui couvrait. Encore une fois, la très très bonne conservation du ballon de Ribadera. Son jeu de but, il est magnifique. Et malheureusement, chez Erin Fontaine, on a raté la mire. Mais c'était là aussi très bien exécuté. Oh, ce jeu d'eau au but, là. Tellement... elle a pris un petit peu externe. Il y a eu un léger rebond du ballon juste avant et qui l'a obligé à prendre la balle de l'extérieur de la pointe. Erin Fontaine. Alors, on va pouvoir repartir les dernières minutes de cette première période. Benera. Avec Fontaine. On joue presque en 4-2-4. Là, vous le voyez dans cette organisation. Et puis, ça jaillit de tous les côtés. Avec Lou Bogart, notamment, qui était arrivé depuis sa position reculée derrière gauche. Là, il continue à encourager nos Françaises. Alors, certes, elles ne le voient pas, mais elles vont... Elles le verront peut-être quand elles reverront ce match en différé. Je pense qu'elles seront très contentes de voir les encouragements sur le chat de YouTube. Allez, Bogart avec Benera. Son rôle, c'est de libérer assez rapidement le ballon derrière. Après qu'on ait changé de zone. Et il y aura 4 minutes de temps additionnel. Forcément, les blessures de Kislantos, notamment, et de Shana Chosnot. Alors, je ne sais pas si vous êtes habitué à regarder les sélections de jeunes ou le football féminin, la D1 Arkema, mais cette jeune Luna Ribadera, là, elle a, je pense, un avenir vraiment radieux dans le football. On sent un énorme QI foot, avec en plus une technique irréprochable, a priori un vrai sens du sport collectif parce qu'elle est capitaine, et en plus des nerfs d'acier parce que c'est elle qui tire les pénaltys. On coche toutes les cases chez Luna Ribadera. Et que dire d'Erin Fontaine, elle aussi, avec son pied gauche. Alors le premier était très bien tiré, mais il n'avait rien donné. Le deuxième était très bien tiré. Il avait failli rentrer, bien rentrant au deuxième poteau, sauvé sur la ligne. Et le troisième, il est encore une fois bien... très bien exécuté, les Françaises qui vont récupérer le ballon. La belle horizontale de Agnès Pongratch sur la frappe. Alors, j'ai pas vu qui était à la retombée de ce ballon. Ouais, c'était Liègre. Non, c'était Shana Chosnot qui avait frappé. Un peu étonnant de retrouver Fiona Liègre à cet endroit-là du terrain. Pas la plus grande non plus, qui en plus est latérale droit. Et Fontaine, elle a traversé tout le terrain. Ouais, le centre est bon encore. Le ballon qui va revenir sur Samoura, qui va peut-être pouvoir frapper. Elle va rentrer dans la surface. Samoura conserve le ballon. Le centre de la défenseur centrale, il était intéressant. Et il va revenir... sur Erin Fontaine, ballon dégagé un peu comme on le peut. Après déjà 2 minutes de temps additionnel. Et allez, on va pouvoir tout de suite déjà vous teaser un petit peu ce qui va se passer pendant la mi-temps. Eh bien, si vous n'étiez pas à Clermont hier ou devant votre téléviseur, vous avez peut-être raté
l'entrée en matière d'Hervé Renard dans son nouveau costume de sélectionneur de l'équipe de France féminine. Et il y avait un match hier contre la Colombie. Match de préparation, on affrontera le Canada dans quelques jours. Ce sont des rencontres amicales et je vous laisserai tranquillement regarder ce qui s'est passé. Je ne vais pas vous spoil, mais allez, juste pour vous dire que c'était une soirée avec des hauts et des bas. Voilà. Et le retour de joueuses comme Amel Majri ou encore Eugénie Le Sommer qui semble avoir fait du bien au groupe. Allez, Erin Fontaine, pied gauche sortant. On a vu que quand c'était rentrant, c'était au millimètre. Et là, il est sortant, il est juste devant le but, mais il va être tranquillement dans la zone pour Agnès Pongratsch. Et on devrait se quitter sur ce score de 1 but à 0 pour les Françaises. Voilà, la mi-temps qui est sifflée par Mademoiselle Caputi, l'italienne. Et donc, 1 but à 0. But marqué par Luna Ribadeira sur penalty. Un penalty qui avait été provoqué par Shana Chosnot. On va se donner rendez-vous dans un petit quart d'heure, les amis. Et pendant ce temps-là, bah, évidemment, hein, avec le petit cœur pour Eugénie. Eh bien, mettez plein de cœur pour notre équipe de France. On se retrouve dans un petit quart d'heure. Merci à la FFF et à David, notre Réal, de nous proposer ce qui va se passer. Ce qui s'est passé hier, ça c'est pendant la mi-temps. Et on se retrouve après pour la seconde période de cette qualification pour l'Euro 2019 où les Français sont en train de faire le taf. À toutes! Allez, on vient là, s'il vous plaît. On va commencer rapidement. Rappelez-vous des groupes, si vous n'en rappelez pas, Thomas va les rappeler ou Eric. Et puis on commence immédiatement. Des fois. Voilà, mettez à l'intérieur. Ça y est, c'est calé les filles. Derrière le mannequin jaune. Bien joué. On n'arrête pas le ballon il vide. Oui. Allez, deux touches maxi. Voilà, c'est mieux, c'est ça le question. Bleu. On met au sol. On la perd pas. Bonne orientation, Sandy. Excellent, Sandy. Bien. Bon pressing, bien joué. Déplace-toi après, Selma, excellent, bon appel. Oui, encore. Là, on doit avoir une solution offensive. Conservez-la. Encore, conserve. Reste là. Et où vous la voulez. On la garde. Option. Magou, montre-lui que tu la veux, intérieur. On garde, allez dedans. Allez, c'est rien, allez. Oui, bon déplacement, bien défendu. Bien, c'est bien, bravo. Il y a des moments où on doit jouer vite, dans des espaces restreints, il y a des moments où il faut... Là, pas toujours, on ne peut pas toujours être à 100 à l'heure. Non. Des moments où on reçoit, il n'y a personne, on calme et là on attend les mouvements. Il faut trouver le juste milieu entre accélérer et parfois calmer, prendre son temps et attendre les dépassements de ses partenaires. Mais c'était mieux à la fin, c'était très bien. Félicitations.
Axel. Voilà, bien joué. Allez, va fixer, Maël. Va fixer. Voilà. Oui. Ballon. Estelle. Allez, Estelle. Oui, bonne passe. De tous. Vas-y, vas-y, tiens. Hey, encore, encore. Oh non. Bien joué, bien joué, bien joué. N'oubliez pas vos GPS, s'il vous plaît. Super, merci. Soit elle joue direct, soit elle te la remet. L'idéal, elle me la remet là. Tu vois, l'idéal, c'est d'être le plus proche possible et de marquer, bien sûr. Parce que si tu attaques de là, c'est un peu plus difficile. Donc, c'est bien quand tu fais ça, tu viens là et... Allez, une qui monte, une qui attaque. Allez, voilà, bien joué. Tu lui remets bien. Oui, bien joué. Voilà, bien joué. Allez, mets sur la table. Bien joué, Constance. J'ai jamais vu des gardiens gagner. Je vous ai ramené le soleil, déjà c'est un point positif. Pourvu que ça dure. On est deux groupes différents, des joueuses qui ont joué il y a deux jours, d'autres il y a trois jours, et puis celles qui ont joué hier, un peu plus de récupération, juste un peu de course, des étirements sales, et là c'était un petit peu plus... Et puis commencer à inculquer quelques principes, notamment aujourd'hui dans l'animation offensive. Petit à petit, on va essayer de voir tous les aspects, c'est important. Et puis, pour être prêt vendredi, pas de temps à perdre. Hein. Bouge ici. 1, 2. Voilà, oui, ça vient. 1, 2, 3. Ça vient. 2, ça vient. Bouge. Occupez l'espace. 1, 2, 3, 4. Tire. Il n'y a pas de mauvaise passe, il y a des mauvaises joueuses. C'est pour ça, c'est ce qu'on dit toujours. Préparez. Ça vient. Regarde, regarde, regarde. Regarde, regarde. Regarde. C'est qui bien joué, Léa. Là,
Formation avant, vous êtes dans la difficulté. Bien joué. Allez, de retour à Guimarèche, les amis. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour suivre là, cette seconde période du deuxième match des Bleuettes, les U19, dans leur quête d'une qualification pour l'Euro U19 qui aura lieu en Belgique à la fin du mois de juillet, enfin, du 18 au 30 juillet. Et pour l'instant, les Bleuettes de Sandrine Ringler sont en train de faire le boulot. Elles mènent 1-0 grâce à un but marqué sur pénalty par Luna Ribadeira. Et il y a les Françaises qui ont plutôt bien joué, en tout cas dans la construction du ballon, qui ont été dangereuses sur la fin de la première période avec pas mal d'offensives, mais qui n'ont pas réussi à prendre le large. Et des Hongroises qui, par moment, par petites touches, ont réussi à montrer de belles choses. Elles sont les premières, les Hongroises, à revenir sur la pelouse du stade Monte Azevedo à Guimarães, sous un beau soleil. Et voici les Françaises qui arrivent, emmenées par Shana Chosnot et Erin Fontaine. Lou Bogart est là. Tini Basamoura également. On voit les remplaçantes avec le chasuble. On va revivre un petit peu ce qui s'est passé en première période avec première frappe hongroise qui n'avait rien donné, et là cette faute indiscutable sur la rémoise Shana Chosnot et le pénalty extrêmement bien tiré. Voilà, contre-pied parfait, pas forcément besoin de prendre plus de risques que cela pour la joueuse du PFC, Luna Ribadeira, capitaine de cette sélection. Là, il y avait une belle sortie d'Inès Marquez
gardien de but du PFC, inquiété par deux fois. Ici c'était Chloé Neller, la frappe de Chloé Neller qui passe juste à côté. Et on va assister à cette très jolie frappe aussi sur la barre transversale d'Erin Fontaine. Le travail dos au but de Ribadera nous aura régalé dans cette première période. Et le petit piqué, malheureusement, d'Erin Fontaine qui ne trouvait pas le cadre. Donc ça fait 1-0 toujours pour les Bleuettes. Je suis en train de regarder. A priori, on n'a pas de changement. On a eu déjà un changement en tout début de rencontre pour les Hongroises avec l'entrée de Molnár à la place de Kislantos. Adelina Molnár, la numéro 15. Voilà, la sortie de Sipots. L'avant-centre qui n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent en première période, mais qui avait remarquablement sorti une balle sur sur la ligne de son équipe, sur un très très bon corner d'Erin Fontaine. Ouais, la rentrée de Tara Elimbi et de Pauline Ogou, donc peut-être Shana Chosnot et Coralie De La Sellerie, peut-être ont laissé leur place. Pauline Ogou, la Strasbourgeoise qui avait ouvert le score face aux Roumaines il y a de cela quelques jours. Et effectivement, Tara Elimbi qui s'est placée directement sur le côté gauche. Donc je pense qu'on est rentré à la place de Coralie De La Sellerie. Et ce sera les deux seuls changements pour l'équipe de France. Allez, on est reparti, seconde période. Les Françaises, on rappelle le contexte et les enjeux. Les Françaises sont pour le moment premières de leur groupe à égalité, mais devant au goal average, à la différence de but devant les Portugaises. Les Portugaises qui affrontent les Roumaines à 18h. Et ce seront uniquement les premières de chaque groupe qui seront qualifiées pour l'Euro en Belgique. Avec cette donnée assez importante que c'est le goal average particulier qui compte. Mais donc ce qui veut dire que si les Françaises et les Portugaises s'imposent aujourd'hui, un nul suffirait à l'équipe de France pour le moment. En tout cas, vu qu'elle elle est devant au goal average, sauf si bien les Portugaises venaient à mettre un carton. Si le score en restait ici pour les Françaises et que les Portugaises mettaient un carton aux Roumaines, ce seraient les Portugaises qui auraient besoin d'un nul. Allez, premier corner pour l'équipe de France. Normalement, c'est Erin Fontaine qui les tape. On a vu qu'elle les tapait plutôt bien avec sa patte gauche. Et c'est elle qui s'y colle. On a fait monter les grandes de l'arrière-garde. Rastok et Samoura sont là. Benera est là aussi. Le corner est bien tiré. Il va revenir à la frappe d'Elimbi. Elimbi Gilbert, une frappe complètement au-dessus. Pour la joueuse du Paris Saint-Germain. Qui a été alignée dans cette armada du PSG. Une fois cette année en Coupe de France. Et on rappelle d'ailleurs que les Parisiennes affronteront les Lyonnaises en finale de cette Coupe de France féminine. Ah ouais, bon pressing d'Elimbi Gilbert. Et derrière la transmission, malheureusement, un petit peu ratée. Les Françaises qui vont rester haut. Chloé Neller, bien aidée par Elimbi, qui va récupérer le ballon. Ça s'arrache. Ouais, bien joué. Elimbi qui va pouvoir tranquillement repasser par derrière avec Lou Bogert et Samoura.
Erin Fontaine qui n'a pas réussi à contrôler ce ballon. Et Maier. Bien arrêté par Fiona Liègre. Et on a vu en première période que la France pouvait se permettre de jouer très très haut. Avec une ligne de défense assez haute parce que ben, on a une gardienne de but, Inès Marquez, qui joue bien au pied. Et qui nous permet de contrôler un petit peu le, dans le dos de nos attaquants. Toi, attention Elimbi, elle va être un petit peu courte là-dessus. Pongratz qui a bien lu cette histoire. Allez, c'est quasiment terminé en Espagne pour Espagne-Slovénie. Et les Espagnols qui ont étrié les Slovènes 6 buts à 0. Ben, c'est terminé à l'instant. Le Danemark est en train de se balader aussi face à l'Ukraine. 5 buts à 0. Et les Italiennes sont en train de battre les Bosniennes. 1 but à 0. Il y a le Pays-Bas Belgique qui nous intéresse également. Avec cette particularité, hein, les Belges qui sont pays organisateurs de l'Euro, mais qui participent quand même aux qualifications. Ça tient lieu un petit peu de match de préparation. Elles sont quoi qu'il arrive qualifiées. Si jamais elles venaient à remporter leur groupe, eh bien, elles donneraient l'opportunité à la meilleure nation deuxième de tous les groupes de qualification de pouvoir obtenir son billet. Donc on va être pro-belge, hein, quoi qu'il arrive. Si jamais ça pouvait nous donner une chance supplémentaire pour nos bleuettes d'être présentes en Belgique en juillet, eh bien on prend. Ouais, Rastocle et Fiona Liègre. Liègre à deux, la bonne prise à deux sur Cyber. Et le ballon qui est récupéré par les Françaises. Allez, attention, Benera. Avec Liègre. Ouais, la frappe de loin de Ribadera. Ballon qui a été mal maîtrisé par l'attaquante du PFC. Elle a du boulot, hein, Ribadera, sur le front de l'attaque. Et pour le moment, elle fait une très très belle rencontre. Déjà troisième but en deux matchs pour Luna. Ouais, superbe. Baby Jordi Benera, la bonne récupération. Puis derrière, on rend un ballon propre pour Rastock les... Et Samoura, le ballon qui va revenir dans les pieds de la Parisienne, Baby Jordi Benera. Avec Samoura qui tente d'alerter avec son pied gauche sur le côté Elimbi Gilbert. Ballon pour Chloé Neller. On a tenté de retrouver sa capitaine. Et on est resté très haute chez Samoura. Ouais, dommage, mauvaise transmission. Elle avait tenté de trouver là, dans le trafic Erin Fontaine. Et attention parce qu'elle va très vite, Cyber. Mais Jade Rastock, elle aussi, a une belle pointe de vitesse et on va pouvoir tranquillement repasser par Inès Marquez. Attention, appuyer ses passes. Allez, on passe un coucou aussi à ceux qui nous regardent de très très loin, a priori Kenisha. Allez les Françaises, faut pas s'endormir, pas tomber dans le rythme des Hongroises qui n'effectuent aucun pressing dans la moitié de terrain française. Et derrière, voilà, beaucoup bouger. C'est ce que fait Lou Bogart. Ah, dommage, elle a raté son contrôle, elle avait été alertée par Samoura, bien alertée. On avait réussi à faire la différence chez la défenseuse du PFC. Et malheureusement, le contrôle laissait un petit peu à désirer. Après, elle n'était pas simple, hein, avec une balle en l'air. En mouvement assez rapide. Ouais, Laszlo. Ouais, Laszlo, c'est bien ce qu'elle fait, mais ça avait l'air d'être relativement propre, ce que nous avait proposé Chloé Neller. Mais elle a quand même été sanctionnée.
Ça sera un coup franc pour les Hongroises. Et Chooks qui va pouvoir le taper. Alors en général, elle envoie une bombe. La balle qui n'a malheureusement pas dépassé pour les Hongroises le premier rideau. Ouais, superbe, Fiona Liègre. Ouf, ouais, tac par derrière. Ça mérite un carton. Il n'y a pas réellement, je pense, de volonté de faire mal chez Molnar, mais le tacle, il est forcément répréhensible. Et l'entrante, Adelina Molnar, qui a été donc avertie logiquement. La belle sortie, là, ici, de Fiona Liègre, la bordelaise, qui a joué quasiment tous les matchs des Girondins de Bordeaux cette année en D1 Arkema. Avec sa coéquipière Marion Elevin qui, elle, évolue latéral droit avec l'équipe de France, mais qui évolue plutôt en défense centrale assez souvent avec Bordeaux. Ouais, Neller, Samoura, Benera. Il y a du mouvement. C'est l'un des premiers ballons pour Pauline Ogou. Samoura avec Neller. Elle est capable de glisser, Neller. Oui, elle est capable de la glisser, cette balle pour Erin. Ouf, ouais, il y avait eu tirage de maillot. Il y a eu un tacle un peu limite. Pongratch qui s'attardait. J'ai la balle. No stress. Ouais, il y a eu tirage de maillot sur Erin. Le tacle, il est limite. Mais la balle qui atterrit dans les bras de Pongratch. Et on a été touché au niveau de l'épaule. Alors, qui est-ce? Est-ce que c'est Kovac? Ah, ça peut faire très mal, hein, dans le mouvement, là, au niveau de la coiffe rotative. Ouais, Savania est là. Somogi est là aussi, Mesaro c'est là. Et on se prépare pour quelques changements, peut-être. Là, c'est Mayer qui est sur le terrain, mais qui a l'air de souffrir un petit peu de la chaleur. Cécilia... Alors, c'est pas Cécilia Mesaro, c'est Sophia Mayer. Et du côté du banc français, voilà, on est relativement tranquille. Ouais, c'est bien Kovac hein, qui a mangé un petit peu au niveau de l'épaule. Et c'est peut-être fait mal un petit peu toute seule là en tirant le maillot d'Erin Fontaine. Mais attention, hein, parce que là l'épaule, c'est pareil. Hein, c'est une articulation où tant que c'est chaud, ça va encore. Mais dès que ça va refroidir. On espère pour la jeune Kovac, Sofia Kovac, que tout va bien. Allez, dégagement de Pongratch. Déjà 10 minutes de passé dans cette première période. Et c'est Baby Jordi Benera qui va aller placer sa tête. C'est presque un bon score hein, pour la Hongrie, cette défaite qui se profile à 1-0. Alors déjà, elles sont encore dans le coup hein, pour essayer d'aller... un petit peu escroquer le système là et d'aller chercher un match nul, ce qui serait un petit hold-up là au vu de ce que nous proposent les Françaises. Mais elles sont toujours là et en plus dans leur course à distance avec les Roumaines qu'elles affronteront dans 3 jours, elles ont forcément le goal average dans un coin de la tête. Et si jamais elles ont un goal average qui est meilleur que les Roumaines, et bien elles auraient besoin uniquement d'un nul pour éviter la descente en Ligue B. La frappe de Savani à la pied gauche, qui avait décidé de sortir de sa défense, mais la frappe a été un petit peu trop enlevée. Allez, Samoura, avec Bogert, Neller, les milieux de terrain, Benera et Neller, qui font énormément de boulot là, pour apporter des solutions à leur défense centrale. On a aussi Erin Fontaine, qui de temps en temps vient s'intercaler, ou Luna Ribadera qui vient appeler le ballon pour pouvoir réussir à faire monter le bloc. Voilà, c'est Ribadera. Elle s'est fait prendre la balle. C'est assez rare, mais elle va la récupérer.
Elle va pouvoir la glisser. Ouais, dommage. Elle avait vu l'appel d'Ogou là en profondeur. Ouais, Samoura sans risque. Pressée par Laszlo. Elle va pouvoir repartir par Inès Marquez. Et son très bon jeu au pied. Jade Arastocl. Ouais, pour Benera, le très bon contrôle orienté de Baby Jordi Benera. Et son pied gauche, là, par contre, un petit peu loin. Elle nous a pris Lou Bogart pour une sprinteuse des JO. Ouais, Elimbi Gilbert, là, le ballon avait tenté de le remettre un petit peu dans la zone de Ogou. Bon duel de la tête de Samoura et on va pouvoir repartir tranquillement. Voilà, on sent hein, que les Françaises ont énormément confiance dans le jeu au pied d'Inès Marquez. Ouais, Rastock avec Liègre pour Erin Fontaine. Ouais, c'est super. On pensait qu'elle allait se remettre sur son pied gauche et finalement elle est partie. Elle est restée du même côté. Elle va bénéficier d'une faute, la joueuse de Fleury. Alors, Fiona Liègre pour taper ce coup franc, non, ce sera Jade Rastocl. Et il y a des chances, alors on est en train de regarder une solution courte, j'allais dire il y a des chances que ce soit long. Allez, bien jouer cette balle pour Chloé Neller, le bon appel de Neller. Le ballon toujours pour les Françaises, avec Fiona Liègre sur le côté droit qui va retrouver sa copine... Neller, le centre premier, oh, la frappe. Dommage, cette frappe qui passe juste à côté. Frappe de... Est-ce que c'était Erin? Ouais, j'ai l'impression que c'était Erin Fontaine. Avec son pied gauche, ballon qui n'a pas assez tourné malheureusement. Allez, l'heure de jeu, 30 minutes encore pour les Françaises pour essayer d'aller mettre au moins un second but. Ah, ça serait quand même assez rageant d'être obligé de gagner contre les Portugaises et de ne pas pouvoir se contenter d'un nul. Et pour ça, il faut tout donner maintenant. On a vu la numéro 11... Katia Sati aussi qui est rentrée. À la passe de Sipoč. D'avant-centre. Et j'ai l'impression qu'on a... Peut-être qu'on a peut-être un petit peu changé de système chez les Hongroises. Parce qu'on a, on a placé Sieber maintenant à la pointe de l'attaque. La numéro 18, la capitaine. Allez, le ballon qui a essayé d'être levé pour Elimbi. On l'a pas encore vu trop Tara Elimbi. Mais vous allez voir, un ballon au pied, ça va à 4000 à l'heure. Une vitesse... vitesse de dribble et puis les dribbles en mouvement qui sont l'une des grandes qualités de Tara Elimbi Gilbert. On risque de l'avoir hein, sur son côté. Tout à l'heure, on avait... vraiment pu apprécier les débordements et puis le jeu en 1 contre 1 de Coralie De La Sellerie. Ouais, c'est super parce que vient de nous faire Pauline Ogou là, le petit sombrero. Et elle va bénéficier d'un coup franc pour une faute de main de Sachi. Allez, on va assister à de nouveaux changements. Côté hongrois, une équipe où en gros on avait laissé quasiment les mêmes que face au Portugal, mais on avait changé deux défenseurs et la gardienne de but. Allez, Erin Fontaine, le coup franc, il est bien tapé et il va donner un corner pour les Bleuettes. Allez, faut pousser. On a laissé Benera, on a laissé Rastocl et on a laissé également Samoura devant. Allez, on mérite peut-être d'en mettre un sur les coups de pied arrêtés. On a été bien.
On va la jouer à deux. Il faut mettre tout de suite la balle devant le but. Voilà, Erin Fontaine, c'est bien fait. Ballon qui va revenir sur Samoura. Elle peut frapper Samoura. Allez, ballon contré. Allez, il faut faire l'effort. Voilà, elle le fait, Elimbi. Liègre. Tranquillement avec Benera. Voilà, tout le monde s'est replacé. Rastocle. Et Samoura ici. Allez, on a Bogart qui est parti, on l'a vu. Ouh, dommage, la balle qui a failli passer. Bogart qui va aller la jouer. Et on arrive à s'en sortir. Côté hongroise, le pressing qui continue avec Elimbi. Et la touche toujours pour les Hongroises. Voilà, les changements vont être effectués. Côté français, on va avoir les entrées de Marion Elvin et Kisha Silla. Marion Elvin qui risque de rentrer en lieu et place de Fiona Liègre. Et je dirais Silla au milieu de terrain, peut-être à la place de Chloé Neller, peut-être à la place de Benera. Profil un petit peu plus défensif, Kérin. Voilà, on a Benera qui va sortir. Et bien voilà, ben Erin également, Erin Fontaine. Alors on va suivre où se place Marion Elvin que vous voyez en gros plan. Parce qu'elle va aller se placer au milieu du terrain. Elle qui a disputé 14 rencontres sur 18 avec l'équipe première des féminines des Girondins de Bordeaux. Elle a été prendre la place de Fiona Liègre. Et Fiona qui est montée d'un cran, j'ai l'impression. Donc Elvin à la place de Liègre au niveau de la formation. Mais Liègre est montée d'un cran. Est-ce qu'on va peut-être terminer aussi Bon, ça va être un 4-3-3 parce qu'on a toujours Ogou et Elimbi sur les côtés. Ribadera dans l'axe, ça ne va pas changer. Elimbi, justement, le ballon perdu, récupéré par Cyber. Et elle a bien trouvé sur le côté. Elle est sortie complètement de sa défense, Savania. Tentée de se remettre sur son pied gauche. On sent que pied droit, c'est un petit peu plus compliqué. Et ce sera un 6 mètres, bien défendu par les Françaises avec l'apport de Tara Elimbi, qui a fait l'effort pour venir aider les copines. Allez, on entend les allez-allez des supporters français. Faut faire attention, la Bogert. Voilà, pas la perdre, cette balle. Allez, Marques avec Rastocle sur le côté pour la nouvelle entrante. Marion Elvin. Voilà, faute de Neller qui va être sanctionnée. Elle est arrivée un petit peu en retard sur ce tacle. Elle avait manqué son contrôle. Et derrière, on va rester un petit peu par terre. Du côté des Hongrois, le temps qui est gagné, finalement, n'est pas si mauvais pour les joueuses de l'Est. Et donc, Chloé Neller avertie. Ouais, il n'y a rien à dire. C'est Mayer, là, qui est resté par terre. Et Chloé Neller, qui, elle, n'a pas encore eu sa chance avec l'équipe première du Paris FC de Sandrine Soubéran, mais ça ne saurait tarder. Elle a du talent plein les pieds. Bon, Mayer, je pense que là, vu comment ça boite, ça risque de sortir. Il restera encore un match contre les Roumaines et je pense qu'on en a fortement besoin côté hongrois de la très très bonne Sofia Mayer.
Et là, Inès Marquez, qui n'a pas eu grand-chose à faire hein, aujourd'hui, elle a eu quand même 2-3 occasions de se mettre en évidence. Et elle a à chaque fois toujours bien fait. Voilà, là, ce coup franc, il a été limite presque rendu aux Françaises. Un petit peu quasiment du fair play là, sur ce coup-là. Savagnia qui s'est complètement raté dans sa transmission. Voilà, la touche était un petit peu limite de Somogyi. L'arbitre a laissé jouer. Et Sieber. Ouais, Sieber, elle est un petit peu esselée hein, quand même. Donc, de technique pour certaines de ses coéquipières. Ouais, là, par contre, c'est très très bien joué. Quand elles essayent de jouer au ballon, hein, les Hongroises, c'est assez sympa. Mais le ballon est bien récupéré par Neller avec Bogaert. Rastokl. Samoura, on est assez tranquille. On arrive toujours à bien remonter le ballon hein, côté français en passant par ses centrales et puis en allant toucher de temps en temps Neller et Liègre. On voit Liègre là avec son numéro 12 qui s'est clairement pointé au milieu du terrain et même assez offensive. On a vu qu'elle avait un profil offensif, hein, la joueuse de Bordeaux. Ouais, bon ballon récupéré par Bogaert, qui a réussi à trouver. Waouh ! Ouais, ça va faire pénalty aussi. La faute de Savagnia, là, qui n'y est pas allée avec le dos de la cuillère, sur Pauline Ogou. Et le deuxième pénalty de la rencontre pour les Bleuettes. Ça devrait être normalement pour Luna Ribadeira. Il n'y a pas grand-chose à dire, encore une fois, hein, sur ce penalty. J'ai des petits problèmes d'image, moi. J'espère que pour vous, c'est tout bon. Mais moi, j'ai des petits problèmes d'image. On voit penalty qui est marqué par Luna Ribadeira. Deuxième but pour la joueuse du PFC. Et quatrième but en deux matchs, s'il vous plaît, pour la capitaine des Bleuettes. Et de la mise au même endroit, un petit peu plus en hauteur, mais toujours cette course d'élan hein, qui est très intéressante, on sent qu'elle maîtrise cet exercice à la perfection. Luna Ribadeira, quatrième but en deux matchs. On marche un petit peu dans les traces de Marie-Antoinette Katoto. On rappelle les Françaises, si jamais vous... Vous le saviez, vous vous en souveniez peut-être, a été championne d'Europe en 2016 avec Marie-Antoinette Katoto qui avait été meilleure buteuse du plateau final. Et donc 2-0, allez, c'est bien pour les Françaises, ça serait bien d'aller en mettre un troisième. On rappelle qu'elles ont deux buts d'avance pour le moment sur les Portugaises dans un match à distance où il faut absolument... Alors, si jamais les Portugaises venaient à ne pas gagner face aux Roumaines, ce qui serait quand même assez étonnant, eh bien les Françaises auraient juste à éviter une défaite pour se qualifier. Et puis, si jamais les Portugaises venaient à ne pas l'emporter à 4-0, attention, ça pourrait refaire pénalty, ça encore, avec plus de deux buts d'écart par rapport aux Françaises. Eh bien, si jamais les Portugaises n'arrivaient pas à faire le trou au niveau du goal average, eh bien, c'est pareil, on devrait absolument juste éviter une défaite. Allez, le bon pressing là des Bleus, c'est très bien. Bogaert qui va réussir à mettre sa tête. Neller, Ogou, elle va très très vite, elle est très punchy, Pauline Ogou.
dans ses prises de balles. Elle va bénéficier du contre-favorable, elle va tenter la frappe, ouf, petite faute de main, de la gardienne de but hongroise, Pongrácz. C'est sa première faute, on va dire, dans ce match-là, pour la très très bonne gardienne hongroise. Allez, c'est Marion Elvin, l'entrante, vu qu'il n'y a plus Erin Fontaine sur le terrain, qui va se charger d'aller taper ce corner. Avec son pied droit, là, elle a dû faire toute la diago. Le corner qui n'a malheureusement pas été assez bien levé. Il était au niveau de la force, il était plutôt bien tendu, au niveau de la zone aussi. Il a fallu la lever un petit peu plus. Et on va reprendre sa place, on va laisser la touche à Tara Elimbi ou peut-être à Lou Bogert. C'est Tara qui va la prendre pour l'instant. Allez, du mouvement. Allez, bonne cette touche très sèche sur Ribadera. Le ballon qui va être récupéré par les Hongroises, mais pas pour longtemps. La belle récupération de Bogart grâce au pressing d'Elimbi. Encore Lou Bogart qui va revoir l'axe avec Samoura. On devrait avoir Elvin, voilà, sur le côté. Et les Bleus qui récupèrent ce ballon. Donc en gros, si les Françaises venaient à s'imposer 2-0, il faudrait absolument éviter que les Portugaises en mettent 4 aux Roumaines. Attention à ce bon ballon, la frappe ! Ah, dommage, cette frappe à côté de Tara Elimbi, qui était rentrée hein, dans l'axe du terrain pour aller apporter du surnombre dans la surface. Ah, le très 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 bon centre de Samoura. Allez, on voit les Françaises hein, qui restent très très hautes. Notamment Pauline Ogou là, qui a déserté un tout petit peu là, l'axe droit. C'est Fiona Liègre maintenant qui s'en occupe. Bonne passe de la tête pour Neller avec Bogart. Oh, les Belges qui viennent de revenir. Un hein, but partout face aux Néerlandaises. Ça va être quand même très très chaud pour essayer de gagner la première place pour les Belges, mais ne sait-on jamais. Ouh, il y a une faute, ouais, de Rastok. Et est-ce que cette faute, elle est dans la surface? Elle va prendre un carton jaune, Jade. On a estimé que la faute n'était pas dans la surface. C'est la capitaine Sieber qui a été arrêtée de manière illégale, Gloria Sieber. Et attention à ce coup franc. Heureusement pour les Françaises, pas de pénalty. Ouais, ouais, c'est très bien arbitré. On était hors de la surface. Magnifique hein, le mouvement de Gloria Sieber, la joueuse de Wimbledon. Allez, ça va donner l'occasion à Inès Marquez peut-être de se mettre en valeur. Là, on va rester un petit peu au chevet de Gloria Sieber. Les Hongroises qui ont eu l'air d'accuser un petit peu le coup là au niveau de l'engagement physique. Et voilà le COP hongrois qui s'est un petit peu éteint, qui chantait et levait le drapeau en début de match. Là, les trois supporters qui font un petit peu grise mine. Ouais, j'ai l'impression que c'est Molnar qui va aller le taper, ce coup franc, avec sa patte droite. Mur à 4. Ouais, t'es pas si mal tiré, ce coup franc. Manquait d'effet pour faire redescendre la balle, c'était Maillère au coup franc. Un petit peu trop tendu. Inès Marquez n'a donc pas été inquiétée. Allez, va rester, on va dire, un gros quart d'heure avec le temps additionnel
sur le banc côté français, côté française, on a encore Lucie Calba, notamment qu'on pourrait faire rentrer, ou encore Célia Ben Salem au milieu de terrain, peut-être à la place de Liègre qui n'est plus trop à son poste là. Ouais, Neller pour Bogart. On repasse avec la traditionnelle paire Rastok le Samoura et Levin avec Ogou. Samoura qui est monté d'un cran. Ouais, c'est manqué. Elle a tenté d'alerter Bogart, mais encore une fois Tara Elimbi qui fait beaucoup de travail là à la récupération, qui ne ménage pas ses efforts. Et n'oubliez pas, les amis, 19h30, je serai au commentaire d'un autre match de jeunes. Ce ne seront pas des U19, ce seront des U16. La génération des 2007, qui l'équipe de France qui se retrouve en demi-finale du Mondial de Montaigu, l'équivalent de la Coupe du Monde des U16. Hein. On va être assez clair là-dessus, qui se passe du côté de Montaigu en Vendée et qui accueille les meilleures équipes de la planète. Attention, cette balle, elle est magnifique. Et Inès Marquez pour la plus grosse occasion des Hongroises. Cette frappe, encore une fois, de Sophia Mayer. Cette frappe, elle était pure, elle était limpide. Et elle est venue s'écraser contre la barre. Pas persuadé qu'elle soit rentrée quand même. Hein. J'ai l'impression que c'était assez clair qu'elle n'était pas rentrée. Mais superbe action de Sophia Mayer. À surveiller, hein, Sophia Mayer, qui a même déjà été sélectionné avec les grandes, hein, avec l'équipe senior de la Hongrie. Elle avait notamment été testée face à l'Ouzbékistan en novembre 2002. Tout juste 18 ans, ça promet. Pour Sophia Mayer. Mais voilà, s'il y a des scouts qui sont en train de regarder ce match, peut-être qu'elle leur a tapé dans l'œil. Et on va faire sortir Somogyi. Diana Somogyi est la rentrée de Lily Nagy, qui avait été titularisée lors du premier match face au Portugal. Elle n'avait pas pu faire grand-chose, hein. Elle s'était vraiment fait étrier, mais par contre, lors du round précédent de qualification, elle s'était signalée par un doublé, notamment contre la Macédoine du Nord. Ouais, Lou Bogart sur le côté gauche. Petite balle travaillée là pour essayer d'aller dans le dos de la défense. Elle est touchée Luna Ribadeira. Ouais, bon pressing français. Et on récupère le ballon assez haut. Lou Bogart à la baguette. Et on cherche toujours hein, le jeu d'eau au but de Ribadeira, le jeu en 1-2, un peu façon FC Nantes des années 90. Malheureusement, il n'y avait pas la finition. Allez, la rentrée de Calba. Lucie Calba qui va rentrer justement à la place de la capitaine Luna Ribadeira. Lucie Calba, la Messine. Et on va laisser le brassard de capitaine à Chloé Neller. Quatre buts en deux matchs pour Luna Ribadeira. Doublé aujourd'hui. Deux buts sur penalty. Et vous allez voir rentrer Lucie Calba.
Donc je vous le disais, hein, Messine, formé à Béchy, qui fait partie un petit peu de cette génération des 2005 avec Ferin Belhadj, avec Tara Elimbi, avec Shana Chosnot notamment, ou encore Alice Marquez, qu'on n'a pas vu aujourd'hui, la défenseur centrale de l'OL, fait partie de ces jeunes filles qui avaient fait 3e de l'Euro U17 l'année dernière. Très très belle génération des 2005, un petit peu comme chez les garçons. Ouais, le ballon, c'était pour la nouvelle capitaine. Là, maintenant, Neller. Oh là, attention. Attention, ça... Ouais. J'ai l'impression que c'est Silla. Il y avait... pas d'intention de faire faute là chez Cecilia Mézaros, qu'on a malheureusement pas vu du tout aujourd'hui. Et j'ai l'impression que c'est... C'est la nouvelle entrante, hein, Silla. Ouais, il y a eu... comme une sorte de béquille là au niveau genou contre genou pour la joueuse de Dijon, l'ancienne joueuse de l'Olympique Lyonnais, qui est considérée par certains observateurs comme vraiment l'un des plus gros prospects là, de notre génération. Des qualités athlétiques vraiment au-dessus de la moyenne, et puis une aisance technique, une conduite de balle qui fait d'elle une joueuse à suivre pour les prochaines années. Ouais, ça se parle un petit peu côté hongrois. On a presque l'impression que là, le 2-0 est plutôt pas mal pour les Magyars. Allez, qui chassit là. On a vu le médecin et la kiné, hein, de l'équipe de France. Ouais, le corner a bien tiré. Il va revenir sur Kalba. Le ballon a été frappé par la Messine. Et va filer directement en corner. Et c'est Tara Elimbi, hein, qui va aller le taper. Ce coup de pied de coin. Ouais, ça va être rentrant. Le pied gauche de la joueuse du Paris Saint-Germain. On va voir si elle peut contester un petit peu Erin Fontaine dans cet exercice. Erin qui a très bien tapé ses corners, mais aucun n'est rentré. Celui-là, il est assez fort. Il a été tenté rentrant premier poteau. C'est très compliqué. Et on va pouvoir repartir par un 6 mètres. On est en train de tranquillement de gagner du temps là chez Pongratz. En gros, les Hongroises, bah, par rapport aux Roumaines, elles, dans le même temps, elles sont à moins 6, sachant que les Roumaines sont déjà à moins 6, parce qu'elles ont, elles avaient perdu 6-0 contre l'équipe de France. Attention, Elimbi pour Kalba. La frappe de Kalba. Lucie Kalba au-dessus. Le corps un petit peu trop en arrière pour la Messine. Et en gros, si elle venait, voilà, si elle venait à perdre, à garder ce résultat de 2-0 et que les Portugaises s'imposaient ne serait-ce que 1-0 contre les Roumaines, eh bien, elles n'auraient besoin que d'un nul pour se maintenir en Ligue A européenne de la catégorie U19. Attention à cette passe. Et le gros tacle sur Neller. Il va y avoir un nouveau carton jaune. Le 5e de la rencontre. Quatrième, j'étais un petit peu haut, hein. C'est Mézaros qui avait pris ce carton. Non, c'est Adèle Nemeth. Il y avait Mézaros qui était aussi un petit peu dans le secteur. Ouais, ouais, grosse faute. Gros engagement. Bon, elle s'excuse tout de suite, mais attention, hein, parce qu'il peut y avoir de grosses blessures sur ce genre de choc là, où il y a une joueuse qui est vraiment en retard. Alors que les deux
de joueuses qui disputent le ballon sont très très proches. Donc voilà, je vous citais hein, le kiné Hélène Ferchaud et le médecin Nicole Cadoret. Bah déjà, elles ont eu du taf un petit peu pendant le match et elles en auront a priori après. On a vu que Sophia Mayer était venue boire un petit coup là sur le côté. Commence à souffrir un peu. Et Tini Samoura qui nous a fait un très très beau match aujourd'hui. La numéro 14, défenseur central axial gauche. Bien, toujours pour les Françaises avec Samoura. On avait tenté avec Neller là, de percer au niveau de l'axe. Neller qui a fait l'appel. Rastock, il ne faut pas la perdre. Et en même temps, on a réussi à attirer deux attaquantes au pressing. Ouais, le ballon est perdu, récupéré par Sieber. Et Sieber, elle est capable de le garder hein, longtemps. La joueuse de Wimbledon. Tenter de trouver une partenaire. Le ballon qui va rester un petit peu dans les airs. Il faut la mettre par terre. Voilà, bien joué Marion Elvin. Avec Marquez. Sans s'inquiéter, sans stresser. On a Lou Bogart qui est venu appeler sur le côté. Avec Tara Elimbi aussi qui va lui apporter un petit peu de largeur. Voilà, tant qu'on n'est pas inquiété, on continue à monter la boulette. Bon, le ballon qui va revenir sur Kalba. La petite roulette de Kalba pour Elimbi. On revient avec Bogart, Neller. Faut la libérer vite, cette balle. Ouh là là, ouais. Il y a une grosse blessure, a priori. On entend les cris d'ici, là, de la pauvre joueuse hongroise. Ah, j'espère qu'il n'y a pas de grosses blessures. J'ai pas eu l'impression, en plus, qu'il y a eu un énorme choc. Et on va avoir 6 minutes de temps additionnel, forcément, avec tous les arrêts de jeu. Et on aura encore un petit peu. Ah, le cri là qui faisait un petit peu mal au cœur. Là. Est-ce qu'on n'aurait pas le genou qui aurait tourné? Ah, j'ai l'impression que c'est au niveau du genou. Pour la jeune hongroise, est-ce qu'on ne se serait pas fait une entorse du genou ici? Alors, de temps en temps, des coups au genou peuvent faire très mal. Mais si c'est un coup, c'est juste un coup, ça va. On a demandé la civière, donc a priori, ouais. Je pense que ça en est peut-être terminé du tour de qualification pour la Hongroise. Ah, c'est Mayer. Aïe, aïe, aïe. La pauvre Mayer qui est au duel. Alors, moi, je crains un petit peu ce genre d'image, donc je ne vais pas regarder. Mais ça avait l'air d'être assez sérieux. Je pense pas qu'on fasse trop de cinéma là ici à 5 minutes de la fin. Et on a demandé tout de suite la civière chez les médecins hongrois. Allez, au vu de la douleur, j'ai peur que ce soit le genou qui soit touché chez Sophia Mayer qui moi m'avait plutôt plu là sur le terrain. Auteur d'une très très belle frappe sur la barre d'Inès Marquez. On a déjà fait 3 changements côté hongrois. Là, on aperçoit Alice Marquez au premier plan. La défenseur centrale de l'Olympique Lyonnais qui ne sera donc pas rentrée, qui aura été sur le banc, qui aura remplacé Jade Rastockl à la fin de la première rencontre. Ouais, c'est le genou. C'est le genou, c'est sûr et certain. Et je pense que ça a dû tourner. C'est pas un coup hein, qui fait hurler comme ça. Alors on espère que c'est juste une entorse du genou et que c'est pas les ligaments croisés pour Sophia Mayer. J'adore la détermination de Luna Ribadera avant de frapper ses pénaltys.
le regard fixé vers l'objectif. Allez, du coup, une pensée à tous les joueurs de foot professionnels ou amateurs, joueurs ou joueuses qui nous regardent et qui sont malheureusement en ce moment arrêtés pour blessure. Avec les beaux temps qui reviennent, là, on a forcément envie d'aller jouer un petit peu au ballon, d'aller aider les copains sur peut-être aussi des fins de championnat qui peuvent être haletantes. Allez, Bogart qui va trouver sur sa route une Hongroise et qui va gagner une touche quand même. Donc on a dit 6 minutes de temps additionnel, mais on en aura, je pense, au moins 2 de plus avec la malheureuse sortie de Sophia Mayer. Oh, attention à ce ballon perdu par Neller, c'est rare, très rare, mais regardez, il n'y a personne. Personne côté hongrois. Un petit peu au milieu de nulle part. L'attaquante du pays de l'Est. Ouais, très très beau contrôle là de Samoura. On va repartir avec Elevin. Avec Liègre sur le côté. Le grand pont de Fiona Liègre qui est passé le centre en retrait. Il y avait Kalba qui a pris un coup mais qui n'a pas pu reprendre le ballon. Neller aidé par Lou Bogart, on va revenir sur Neller. Silla, bon ça va mieux déjà pour Silla, c'est cool. Elevin, le centre, il est bien tapé ce centre. Il était pour Lucie Calba, mais finalement dans les bras, dans la niche de Pongratz. Alors, on va garder le résultat, hein. Je pense que c'est... Chez Pongratz, gardez ce 2-0 qui, quoi qu'il arrive, les élimine hein, de cette course à l'Euro, mais c'était assez prévisible, et qui par contre doit, pour le moment, les laisser dans cette Ligue A du championnat d'Europe U19, avec les meilleures nations européennes. Allez, Tara Elimbi, formée à l'Académie d'Épinay, qui a rejoint le PSG en 2020. Il y a forcément, hein, si jamais vous avez des enfants autour de vous qui souhaitent se mettre au foot, eh bien, il y a forcément un club autour de chez vous qui sera ravi de vous accueillir. On n'est pas forcément obligé de commencer le foot... À 5 ou 6 ans, il y a beaucoup des joueuses là, qui sont ici, qui ont commencé le foot un petit peu plus tard, aux alentours de 8-9 ans, même parfois 10 ans. Et par exemple, hein, là, elles sont toutes, pour beaucoup, dans des très grands clubs, parce qu'elles sont U19, mais notamment chez les U16, on a encore beaucoup de joueuses qui sont issues de petites formations. Ouais, Neller, le ballon qui va un petit peu... qui change de pied assez rapidement. Elvin avec Silla. De nouveau Elvin. Allez, peut-être une dernière. Il doit rester une bonne grosse minute. On va aller chercher Samoura sur le côté qui est monté. Non, ça va être Elimbi. Parce qu'on va redonner un petit peu de largeur. Voilà. Avec Tiniba Samoura. Lou Bogart, faut la mettre dans la boîte maintenant cette balle. Elle tente la frappe, Lou Bogart, elle est belle cette frappe. Presque un poil trop belle, un poil trop rectiligne pour tromper la vigilance de Pongratz. Elle était bien frappée cette balle. Manquait un peu de puissance. Ouais, ça joue toujours. Allez, j'avais annoncé peut-être 2 minutes de plus dans le temps additionnel. On y va tout droit. Ouais, Lili Nagui qui allait faire cette touche rapidement. Et puis finalement, son coach lui a dit « Attends un peu, attends du soutien. » Allez, faudrait pas s'en prendre un sur la dernière offensive. Avec Skutch, le centre de Skutch, sorti par Samoura.
Et on va pouvoir repartir avec Ogou. Peut-être la dernière. La dernière d'air pour les Françaises. On a cherché Fiona Liègre et sa pointe de vitesse supersonique. Et un bon pressing de Fiona pour aller récupérer le ballon et peut-être aller tenter d'en mettre un troisième. Si on en restait là, dans le match Portugal-Roumanie, il faudrait absolument que les Portugaises ne gagnent pas par plus de 4 buts d'écart. Et dans ces cas-là, on aurait une finale contre le Portugal où on pourrait se contenter d'uniquement d'un nul pour se qualifier à l'Euro. Et Samoura avec Bogart, Neller, Silla, ouais, ça joue bien en une touche. Avec Liègre, elle est très très bien, elle avait commencé latéral droit, Fiona Liègre, et elle est virevoltante là sur son côté. Le changement de position qui a été remarquablement bien réussi. Allez, c'est Tara qui va aller le taper. Tara Elimbi Gilbert. Le premier avait été complètement foiré. On espère que le deuxième est, va être mieux tapé. Ouais, il est mieux tapé. Et on va pouvoir se dégager. Et ça aura été la dernière occasion pour les Françaises d'inscrire un troisième but. Score final 2-0 pour les Françaises. On termine un petit peu en larmes côté hongrois. Ben, ça veut peut-être dire aussi pour les plus anciennes d'entre elles, celle de 2004, que bien on en termine dans cette catégorie U19. C'est peut-être aussi la fin d'un cycle pour certaines. En tout cas, elles auront un dernier match à jouer, les Hongroises, face aux Roumaines. Les Roumaines qui vont affronter le Portugal à 18h, dans une heure exactement. Il faudra se tenir au courant un petit peu du résultat. Mais les Françaises ont fait le boulot. Victoire 6-0 face aux Hongroises il y a quelques jours. Victoire 2-0, enfin face aux Roumaines. Et victoire 2-0 face aux Hongroises. Donc 6 points et plus 8. Deux clean sheets pour les filles de Sandrine Ringler. On a assisté à une très 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 belle rencontre. Moi pour ma part, je vous donne rendez-vous dans 2h30 pour la demi-finale du Mondial de Montaigu entre l'équipe de France masculine U16 qui va affronter la terrible équipe du Japon. Attention, ça joue très très bien côté nippon, ça pourrait être un super match. Soyez au rendez-vous si jamais vous aimez le football, c'est une grande journée de foot pour les sélections, c'est une grande journée de foot tout court. Merci en tout cas d'avoir été là, merci pour vos bons mots dans le chat de la chaîne YouTube, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.